Allez, vous m'avez vu tracer les emplacements pour les coffres à cannes. On va mettre du tuyau PVC. C'est du PVC assez fin que je vais mettre pour permettre de faire le coffre à cannes, pour le prolongement du coffre à cannes, pour éviter que les cannes dépassent, soient protégées au niveau des sions. Donc on va les insérer, on va percer des trous sur cette partie-là pour les enfoncer vers l'avant du bateau. Et ici on aura une plaque avec des trous également, qui va faire la jonction entre le coffre à canne et la partie tubée. Ça dépassera dans le coffre ici, c'est pas très grave, on verra juste les tuyaux. Ils seront bien maintenus, bien tenus. Ça ne posera pas de soucis. Normalement, ils ne devraient pas gêner pour l'emplacement de la pédale. J'espère que ça va aller pour l'emplacement de la pédale et qu'ils ne vont pas gêner. On verra bien. En tout cas, je les mets le plus haut possible pour avoir le plus de longueur possible. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va percer les trous dans la fibre là. Ensuite on percera les trous dans l'alu et on insérera les tubes ensuite. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai posé les tubes juste en place. J'ai pas encore fait la tôle qui va aller ici. Et là, je vais élargir un petit peu l'entrée pour que ça passe bien et que ce soit propre. Et là, ça arrive dans le coffre. Hop, pas trop de lumière. Mais voilà, ça ressort là. Donc mine de rien, je vais avoir pas mal de distance. J'ai quasiment 2,40 m, voire même peut-être un peu plus. Sur le coffre du haut. J'espère que là ça ne va pas poser problème pour toute la partie où je vais avoir le renfoncement pour mettre la pédale. Ça ne va pas coincer, j'espère que ça va passer. Si ça passe, ça va être au poil de cul, mais ça devrait peut-être passer. Sinon j'essaierai de déformer un peu le tuyau là pour faire un peu plus de place. Et normalement la canne ça passera tranquille. Voilà, donc ça avance. Là maintenant je vais m'occuper de faire cette tôle. La tôle qui va aller là pour que ce soit propre. Je pourrais pas les poser tout de suite, j'ai pas encore acheté la mousse de revêtement que je vais mettre à l'intérieur des coffres. Mais déjà on va découper les trous dans cette tôle. Voilà. J'avais fait les pré-marquages. Que je vais à peu près suivre finalement. Qui sont pas trop mal. Il y a juste en bas où j'ai changé un petit peu la disposition. Allez, c'est parti.
Voilà, ça y est, j'ai fini d'ajuster. J'ai fait 2-3 petites ajustements. Ça rentre bien, c'est nickel. Donc on a notre coffre à canne qui est prêt. Ensuite, je mettrai de la mousse polyuréthane à l'intérieur là pour tout fixer. Mais j'ai pas encore le revêtement que je vais mettre à l'intérieur du coffre, que je mettrai bah, du coup juste après, enfin juste avant de mettre les tubes, vu comme ça les tubes seront vraiment fixés de manière définitive. Donc voilà, en tout cas c'est propre, je vais vous montrer un petit test. Tac, donc je peux prendre ma canne. Hop. Non, c'est pas évident. Tac. Et ça viendra ici, il va falloir faire un support, mais ça viendra comme ça. Pas encore vérifié toutes les longueurs, ça c'est une canne de 2,20 m. Ouais, sur celle-là elle passe pas. Hop. Elle passe sur celle-ci, 2,20 m. Elle passe sur celle-là. Et je pense que j'ai un peu de marge. Elle dépasse pas là. Donc j'ai encore un peu de marge en plus. Donc canne de 2,20 m sans problème. J'ai fabriqué une petite plaque en alu que j'ai pliée et que j'ai vissée par-dessous pour tenir les talons des cannes. J'ai pas filmé, j'ai un peu galéré. Par-dessus, j'ai collé un vinyle pour que ça fasse propre, pour que ça fasse joli. Et là, je fixe des passe-câbles. Tac, on le voit pas très bien. Voilà, qui vont me permettre en fait de passer les talons des cannes et de les tenir en place. J'en ai placé un ou deux. Et puis je vous montre ça, du coup on va découper et placer ce qui manque. C'est assez facile, ça se met en place et comme ça va permettre de tenir les talons des cannes et d'avoir quelque chose de propre. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, le coffre à canne est terminé avec les tubes qui sont bien tenus, un revêtement, j'ai rajouté une petite lumière à l'intérieur et ici de quoi tenir les talons des cannes, je vous montre. Donc la canne de 2,20 m, tac, je la rentre, voilà, et ici avec le talon et ça tient bien. Bon, c'est bien maintenu, c'est parfait. Donc on peut rentrer quelques cannes. Voilà. Donc voilà, fin de cette vidéo sur la réalisation du coffre à cannes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du bateau. Il y a quelques petites étapes que vous voyez là, qui sont pas encore, que je vous ai pas encore montrées. Allez, à bientôt.